Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en live pour notre deuxième discussion autour de la littérature. Et notre invité d'aujourd'hui s'appelle Roberto Cortesi. Il va parler un petit peu de son travail avec Ana Maria Vidal, qui est aussi une auteure chez Helvetia Éditions. À part de parler d'un livre que Roberto a publié avec Helvetia, qui c'est le livre « Des vies, des villes » qui a été publié fin de l'année passée, on va aussi parler de son travail en tant que musicien, en tant que producteur culturel et aussi coach de vie. Mais avant d'inviter Ana pour cette discussion et Roberto, j'aimerais lire la biographie de notre invité d'aujourd'hui. Roberto, il est né à Locarno en 1960. Il a fait ses études de musique, flûte traversière, à l'Institut de Ribeaupierre de Lausanne et à l'École de jazz et musique actuelle, également à Lausanne. En parallèle à sa formation en musicothérapie, il a parfait sa formation musicale en arrangement et composition auprès de Gérard Lecoy. Depuis la publication de son premier CD, En Chemin, édition Gallo, dans l'année 2000, il a collaboré avec la chanteuse romande Semaine, puis avec les quatuors à cordes Barbouze de chez Fiore, pour son projet Chandelieu. Il a été le concepteur et le chef d'orchestre de la réalisation du livre CD Noces Antérieures, qui a été fait en 2015. Il a également adapté, en collaboration avec la danseuse chorégraphe Tania De Paola, sa création musicale pour un projet sur les mêmes thèmes qui s'est joué au Théâtre Pulloff de Lausanne fin 2017. Roberto est le concepteur et le coordinateur de l'ensemble de cette dernière création pluriartistique qu'on appelle « Des vies, des villes », qui est un livre qui réunit des poèmes, de la musique et aussi de la bande dessinée. Roberto, Ana, soyez bienvenus à notre discussion. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, merci Janine. Bon, bonjour Roberto. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, je vais vous laisser parler, je vais vous écouter parce que je suis ravie de vous écouter ici aujourd'hui. Merci. Ok, merci. Alors, Roberto, oui, nous aussi en tête à tête. Et je me disais, quand je réfléchissais un peu, je me mettais un peu dans l'atmosphère du dialogue que je voulais, que je souhaitais avoir avec toi. Je me disais que nous avons eu pas mal de moments de discussion très riches, très porteuses, mais que ça va être la première fois que nous le faisons avec du public. C'est vrai, effectivement. Alors, je profite pour saluer les personnes qui sont avec nous et qui, en direct, et celles qui nous écouteront en streaming. Donc, merci d'être là pour ce partage. Et donc, je souhaiterais démarrer cette conversation par l'élément qui est le plus d'actualité, qui est l'apparition de ce projet, ce coffret qui est en même temps un livre, qui est en même temps un vinyle, qui est en même temps un accès à la musique sur Internet, et où j'ai eu l'énorme plaisir d'écrire une préface sous ton invitation. Donc, j'aimerais entendre comment toi tu décris cet objet tellement particulier. Ah, tu commences par une question compliquée. C'est plus facile pour moi de dire comment les choses se sont égrenées dans le temps et comment, je dirais, j'étais inspiré comme ça par le flux des choses. Je pourrais commencer par le fait que, au fond, tout a commencé par une inspiration sur plusieurs années d'ailleurs, en compagnie de mon épouse. On a fait des voyages, on a visité des pays,
Et on avait les deux, on a les deux, un côté l'expression musicale et tout cet univers-là, de mon côté. Je me suis toujours défini un musicien, un compositeur, surtout de musique de film, en fait, sans forcément toujours faire de la musique pour des films, mais dans la conception. Ça veut dire aussi que mon langage musical n'est pas typé par rapport à un style particulier comme le jazz ou bien le rock ou autre chose, mais c'était plutôt toujours c'est toujours plutôt de la musique qui se veut exprimer quelque chose qui a un lien avec autre chose. Et pour le coup, effectivement, souvent mes projets comme celui précédent aussi est toujours en lien avec quelque chose qui est en dehors de la musique elle-même. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés, Anna-Maria, sur le projet Noce Antérieure. Et j'ai réécouté un petit bout de l'interview qu'on m'a fait il y a quelques années en arrière. Et je parlais de toi, d'ailleurs. Oh. Oui. Je parlais de toi en disant que c'était une rencontre inspirante pour moi et puis que c'était très, très chouette d'avoir eu cette occasion-là et que tu m'avais mis en contact avec Paul Salomon d'ailleurs. Oui. Et ça m'a permis de tisser tout ce lien-là. Mais au fond, David Deville, ça s'est aussi construit un petit peu une chose après l'autre, en fait, comme ça. Donc, je parlais de ces aspirations de voyage où, avec mon épouse, on a vécu des moments assez particuliers qu'on pourrait décrire par des sortes de rêves éveillés ou en tout cas de se connecter avec des histoires qui n'étaient pas les nôtres. Et de ces histoires-là, moi, j'en ai écrit des musiques qui, en quelque sorte, mettaient en scène tout ça musicalement, qui créaient les atmosphères qui étaient en lien avec tout ça. Et puis, mon épouse a écrit les textes qui venaient de là. Alors, les textes étaient parfois inspirés directement par elle. Parfois, c'était moi qui lui racontais l'histoire que je ressentais, que j'avais captée. Et ensuite, elle les traduisait en mots. Et donc, du coup, le départ a été simplement celui-ci. Et pendant un certain temps, il est resté comme ça. Puis après, on s'est dit, ah, mais tiens, ce serait intéressant de demander à des acteurs de réciter justement ces textes et que moi, je puisse agencer la musique autour de cette musique de la voix et la musique de ces textes. Donc, ça, c'était déjà une première étape. Et ensuite, l'étape suivante, ça a été de dire, mais quelle forme donner à tout ça? Quoi en faire? Et la vie a fait que j'ai perdu ma épouse l'année passée. Et à partir de là, j'ai senti vraiment l'impulsion pour réaliser quelque chose concrètement, de ne pas juste laisser ces textes et ces musiques sous une forme simplement d'audio, on va dire. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et l'idée d'un livre est apparue. Et avec en même temps toute la question autour de comment on fait exister de la musique avec un livre qui est fait de textes et de paroles. Et donc voilà, ça s'est monté comme ça. À partir de là, j'ai eu aussi envie de mettre des images sur tout ça. C'est là que ça m'a permis de rencontrer cette personne, donc l'illustrateur Yvan Braillet à Delémont. Et je lui ai raconté l'histoire, je lui ai fait écouter les musiques, etc. Puis je lui ai demandé de créer quelque sorte, une sorte de bande dessinée, qui n'est pas vraiment une bande dessinée au sens classique, parce qu'il n'y a pas de texte directement des bulles, voilà. Mais à côté, il y avait le texte. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce que je viens d'écouter, que tu viens de partager, sur lesquelles j'ai envie de rebondir, parce que d'une part, il y a le fait que les rencontres, les histoires qui se tissent, les impulsions qui prennent, comme je dirais, une vie propre à elles-mêmes et qui font que ça se décline avec des formes, avec des supports, avec des projets qui évoluent au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer au début. Mmh. Ça me parle beaucoup. Et c'est aussi par un jeu de rencontres que moi, j'ai rencontré Janine et qui est devenue mon éditrice. Mmh. Et c'est aussi parce que j'ai proposé que vous vous rencontriez qu'elle est devenue ton éditrice. Donc exactement. Ça, j'adore tous ces fils de la vie comme ça qui jouent. Mmh. En même temps, c'est vrai que j'avais déjà suivi un peu de près quand tu as fait tout ton projet des noces intérieures où il y avait aussi... Mmh. De la photo, des textes, il y avait un livre, il y avait la musique.
Après, il y a eu un événement pour moi insoupçonné, c'est que j'ai découvert un de tes CD chez des amis que je savais, qui ne te connaissaient pas, mais j'ai découvert un de tes CD. Et là, c'est aussi comme des petits signes qui apparaissent dans les chemins, qui sont comme des clins d'œil. Mais j'ai vraiment envie de dire que le livre, l'objet, le livre, la musique, le disque, que tu as créé, que tu as mis en place par rapport à des vies et des villes, il me touche particulièrement. J'ai vraiment envie d'inviter les personnes qui nous écoutent d'aller se le procurer et de plonger là-dedans. Parce que il y a pour moi beaucoup de niveaux. C'est comme dans la musique, tu as une note fondamentale et tu as les harmoniques. Et pour moi, c'est un objet qui présente une note fondamentale qui est pleine de vie, et puis elle se décline, elle nous fait capter plein d'harmoniques qui se superposent. Et puis, ça me touche aussi comment tu allies différentes disciplines d'expression, différentes disciplines artistiques qui deviennent une unité très cohérente, très riche et très parlante. Je ressens une légère affinité par rapport au fait que dans le livre qu'a publié Helvetia, c'est aussi un dialogue et une rencontre avec une femme peintre. Donc, c'est aussi la rencontre de deux formes d'expression, mais par un lien d'amitié. Et là, chez toi, c'était vraiment un lien d'amour avec Cécile. Et tout ce que ça a mis en place comme univers. Donc, il y a cet aspect de pluridisciplinarité qui te caractérise, qui va au-delà de ce qui pourrait être la musique, ce qui pourrait être la conception d'un projet artistique, parce que tu es aussi formateur, tu es aussi coach, tu es aussi entrepreneur, tu es aussi superviseur, tu as plein d'expériences dans d'autres domaines. Et j'aimerais te poser la question, comment tous ces registres, est-ce que et comment ils s'alimentent entre eux dans ton cheminement et aussi dans ce que tu proposes, ce que tu offres et ce que tu crées. Oui, c'est aussi une question pas simple parce que... quand il y a des questions trop simples, elles sont banales, donc elles ne me stimulent pas. Donc quand je dis que ce n'est pas simple, c'est parce que je la trouve intéressante. C'est un angle que je n'ai que très partiellement conscientisé, en fait, d'une certaine manière. Au fond, je pourrais dire que toute ma vie, elle est là c'est un des fils, hein, un des parcours dans ma vie, elles sont celles de mettre ensemble, d'harmoniser des choses, ne serait-ce que déjà en intérieur de moi-même, entre une partie, j'en lisais justement dans Nos intérieurs en particulier, parce que là, il était vraiment le thème du masculin, du féminin, etc. Puis je relisais toute cette tentative depuis toujours de mettre ensemble, sans être dans la caricature du féminin et du masculin, hein, mais dans le sens homme-femme, mais plutôt dans les inspirations, dans les différentes polarités, de mettre ensemble la sensibilité, l'intuition, le non-dit quelque part, qui s'exprime pour moi par la musique, et que quelque part, et dans ce projet en particulier, celui-ci, mais les autres aussi, mais en particulier de Vie des Villes, je ne saurais même pas dire qu'est-ce que j'ai voulu exprimer quand il est sorti. Après, une fois qu'il est sorti, tout s'aligne, les choses interagissent avec les autres artistes aussi. Et peut-être que c'est peut-être une clé, ça me donne peut-être une petite réponse par rapport à ce que tu disais, c'est qu'au fond, ma manière de procéder, c'est celle toujours d'aller chercher dans le lien, quelque part, une forme de compréhension de ce que c'est ce qui est à l'intérieur de moi, parce que je ne le sais pas trop, en fait. C'est dans cette recherche-là que je me découvre, en fait, au fond. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours, probablement toujours, en tout cas souvent, et je dirais plutôt les derniers projets, ça a été toujours, comme tu l'as dit, des collaborations avec d'autres artistes où je venais avec mon univers et puis je cherchais le vis-à-vis, en fait, pour aussi avoir un retour. Je pense que ça, c'est un peu une clé d'une part. Après, peut-être juste puisque tu faisais aussi référence à mon travail de coach,
et d'accompagnants dans différents niveaux. Il y a aussi peut-être quelque chose qui est toujours de l'ordre de mettre en forme, d'être à la fois miroir, mais ce miroir qui permet à l'autre aussi de se retrouver dans une nouvelle formulation peut-être de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, et que grâce à cette façon de faire, je peux accompagner réellement les gens je fais parfois du recadrage, hein, de revoir les choses d'un autre angle, mais aussi de les mettre en forme. Et c'est peut-être quelque chose qui me caractérise particulièrement. Oui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. On avait pas mal discuté à une époque sur toute la dimension de l'écoute et ce qu'elle amène. Et je pense que quand je t'entends exprimer cela, moi, ça me rejoint à l'endroit où pour moi, nous sommes des univers infinis. Chaque être est un énorme univers. Évidemment, l'univers, il est infini et nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons que des petites pointes d'iceberg. Mais c'est dans la rencontre avec l'univers de l'autre, c'est dans l'échange avec l'autre que nous découvrons aussi de nouveaux regards et de nouvelles facettes de nous-mêmes. Je découvre l'autre et l'autre me permet de me découvrir. Et exactement. Ça, je le sens beaucoup autant dans ta démarche artistique que, évidemment, dans ta démarche professionnelle. Et puis aussi, avant, quand tu parlais de ta facette de musicien, et tu disais que c'est pas comme un musicien, entre guillemets, habituel. Moi, j'ai envie de partager, de dire aux personnes qui nous écoutent à quel point tes musiques, vraiment, tu parlais des bandes sonores de films, hein, mais tes musiques, elles me font plonger dans un univers qui est très inspirateur. Alors, il n'y a pas un film, dans ce livre, il y a des dessins, il y a vraiment des illustrations qui nous donnent déjà une colorature, un décor, propose un décor. Mais dans les musiques, j'ai vraiment senti que je plongeais dans des atmosphères. Et cette atmosphère, les textes de Cécile prenaient une dimension poignante, très vivante. Et je trouve que le lien entre le texte et la musique, le film, on le vit. On ne le voit pas, mais on le vit. On le voit intérieurement. Mais c'est un grand voyage que tu nous proposes. Et c'est comme un peu partager une bribe de vos voyages aussi. Mais ça passe par le filtre de comment chacun se l'approprie. Et ça, y a un côté qui est magique. Ouais, je te remercie. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Alors, tu m'excuses là si je suis un petit peu ému quand même de parler de ce projet, parce que voilà, le départ de mon épouse n'est pas très très loin encore de mon cœur. Mais c'est vrai que ça parle aussi vraiment de cette dimension, parce que même dans le travail, dans cette partie de travail, il y avait à nouveau, comme tu le disais, ce dialogue, mais qui était, parfois il y a eu des moments assez incroyables, et ben, on vivait ensemble, donc c'était proche, mais ça m'est arrivé de lui apporter une musique, et puis elle a mis le casque, elle a commencé à écouter, à écrire, et puis le texte, il est sorti pratiquement en 2 heures, il était posé, en plus avec en rime, avec une forme très 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 stricte. Hein. C'est pas des poèmes je sais pas technique par rapport à ça, mais en 16 pieds ou je sais pas, il y a une forme très rigueur. Il y a une rigueur dans la structure poétique, et après il y a un contenu qui vient de l'âme. Et donc, le mélange est explosif. Et du coup, ces moments-là, au fond, oui, on pourrait dire que c'est comme une sorte de pattern, ces liens-là, qui se diffusent à tous les niveaux de la réalisation, parce que c'était ce pattern initial qui est le nôtre de nous deux. Et après, il y a eu les mêmes choses avec, quand j'ai vu l'illustrateur, il était extrêmement touché et on a eu tout un échange par rapport à ces images. J'ai vraiment travaillé avec lui aussi pour sélectionner des images qui me parlaient le plus et puis comment l'orienter. Donc, je ne l'ai pas juste laissé faire comme ça. On a travaillé vraiment ensemble. Après, il y a eu Sarah Stekhofer qui a écrit les textes
introductif pour chaque histoire, là aussi. Oui, et là, oui. Je suis curieuse parce que ces textes d'introduction, c'est un peu comme la personne qui fait la narration. Exact. Et je me suis dit, comment tu as réussi à communiquer avec cette personne pour que la narration soit tellement juste et tellement fidèle à ce qui vient après, comme cerise sur le gâteau, quoi. Comment tu as fait? Alors là aussi, c'est une question de lien, hein, puisque tu parles de lien Antis. Cette personne, il se trouve que c'était une amie d'enfance de mon épouse, et qui est journaliste, elle est historienne de l'art, donc elle a l'habitude aussi du texte, même que son expression à elle artistique, c'est plutôt la peinture, mais le texte, c'est quand même quelque chose d'important. Et en fait, ça aussi, ça a procédé par des rencontres très informelles, autour du feu, avec un verre, et à chaque fois, je lui ai raconté toutes les conditions d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de l'histoire, puisqu'on a commencé depuis 2015-2016 à sortir ces textes, et je lui ai raconté un peu toutes les circonstances, en fait, un peu la magie de comment on a eu contact avec ces histoires. Et en fait, du coup, on est parti de là, elle a un peu pris des notes, et puis elle connaissait très bien Cécile, et puis donc mon épouse, et c'est une amie aussi pour moi. Et là aussi, ça procédait à un moment donné. Donc, j'ai commencé à lui raconter. Puis après, on s'est demandé aussi sous quelle forme réellement mettre tout ça. Et c'est assez vite venu comme cette idée d'avoir une espèce de regard d'aujourd'hui qui crée le fil. Et donc, du coup, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai, il y a des couches différentes. Oui. Et elle parle justement de ça en se détachant des personnages Roberto et Cécile, en parlant elle, et en donnant comme ça une sorte de trame par rapport à comment toutes ces histoires venues du passé sont émergées, en fait. Oui, oui. Et là aussi, encore une fois, en t'écoutant, je me souviens du jour où on s'était rencontrés, on avait eu une discussion. J'étais loin de savoir que j'allais participer à ton projet. Mais dans la conversation, il y a eu un moment où j'ai eu cette information de ce que ça a évoqué en moi par rapport à ce grand mystère de nos vies, de résonance avec des vies antérieures et tout ça. Puis, quand tu as proposé si je voulais faire la préface, elle était là, la préface. Je l'avais vécue pendant qu'on était en discussion, une discussion qui allait vraiment plus... Il y avait ce projet, mais il y avait d'autres choses dans notre discussion. Mais il y avait eu une émergence très particulière de ce que ça avait généré en moi, le fait de t'écouter. Et donc, après, c'était déjà là quand tu me l'as demandé. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup par rapport à les circuits de la créativité. Alors, comment toi, tu décrirais que tu vis, toi, la créativité? Je m'excuse si la question n'est pas simple non plus. J'ai pas voulu dire ça. Je me suis dit, on avance et je le dis moi. Tu vas pas dire que tu voudrais me dialoguer avec toi, alors je m'excuse. J'espère que les personnes qui sont avec nous vont aussi profiter du plaisir du dialogue. Non, j'ai pris plus une inspiration justement, puisque tu me demandes ça. Et ben justement, il y a quelque chose qui est chez moi qui est extrêmement. C'est encore une fois assez assez double, enfin assez en dualité. Il y a vraiment quelque chose qui est je ne sais pas ce que je fais. Quelque part, je me présente comme un peu dans un état d'inconscience, je fais des choses d'une part, et puis d'autre part il y a l'autre partie de moi qui est celle qui crée déjà une structure, en fait. Et par exemple, le projet que je suis en train de faire maintenant, typiquement, c'est quelque chose où spontanément, j'ai commencé à produire quelque chose, mais comme ça, vraiment sans avoir d'idée. Et puis, tout à coup, émergeait l'idée de créer de la musique qui s'appellera Espace de conscience, parce que je suis en train d'explorer tout à coup des espaces de conscience. Donc, du coup, je me dis, voilà, c'est le thème. Et progressivement, les choses prennent une forme. Et c'est vrai que je suis très attaché aussi à la forme.
Et les deux choses cohabitent et dialoguent à nouveau parce que l'une amène à l'autre, l'autre ramène à la première. Et après, je me donne aussi parfois des sortes de contraintes. Par exemple, ici, je me suis donné la contrainte de ne pas écrire une seule note de musique. Ça semble un peu paradoxal pour un musicien, mais c'était parce que justement, moi, je viens vraiment de l'univers classique de la composition. À l'époque, j'ai plein de partitions écrites au crayon et tout ça. Aujourd'hui, ça ne se fait plus beaucoup, mais je suis resté quand même assez... Et d'ailleurs, dans Devil, ça reste un projet où j'ai vraiment écrit des musiques, etc. Après, il y a toute la partie sonorisation, etc. Et puis ici, dans ce nouveau projet, par exemple, tout à coup, il vient cette inspiration aussi de dire lâche encore plus, laisse encore plus aller, travaille juste avec des sons. Et voilà. Donc, voilà, c'est pour donner un exemple. Je ne sais pas si ça te parle comme je t'explique. Oui, ça me parle beaucoup. Mmh. Et j'ai encore un petit brin de curiosité. Comment, si toi, tu regardes vers l'arrière dans ta vie, dans ton cheminement, comment tu vois l'évolution de ta créativité? Oui, mais je pense qu'elle va de plus en plus dans le sens de me laisser plus cette liberté de m'écouter et puis d'y aller d'une manière presque un peu en pilote automatique, sans trop réfléchir, tout encore une fois, en laissant le temps pour que la structure vienne et que je sois inspiré aussi du côté de la structure, mais au départ... J'essaye en tout cas de plus en plus. Après, j'ai des rechutes. Hein, dans le sens la vie n'a jamais été linéaire, tu es bien placé pour le savoir. non, mais et puis je trouve que ça m'intéresse aussi parfois de reprendre une manière classique de composer de la musique, parce que j'ai beaucoup de plaisir aussi de faire des choses. Mais disons que, après, peut-être ce qui me caractérise dans ce. En tout cas, la caractéristique dans mes musiques, c'est que j'y mets toujours de l'émotion. Il y a toujours quelque chose qui ça doit vibrer en moi quand je compose et puis qu'à un moment je réécoute et je cherche vraiment cette vibration en moi déjà. Et ça, c'est vraiment une. Et je crois que ça évolue justement dans ce sens-là, d'aller de plus en plus dans cette direction. Moi, je dirais que aussi. Dans l'écriture, du moins par rapport à ce que moi je vis quand j'écris ou ce qui me touche quand je lis quelque chose qui est écrit par quelqu'un d'autre, c'est que j'ai besoin que les mots transmettent une vibration. J'ai beaucoup de mal avec les mots qui sont juste des mots intellectuels. J'aime bien décrire que les mots rationnels sont à deux dimensions, mais les mots vivants, ils sont en volume. Et donc, c'est des mots qui vibrent. Et c'est, je dirais, la même chose que tu as dit par rapport à la musique, que je pourrais l'appliquer à l'écriture, au langage de parler, aux mots. Et puis, je me disais aussi en t'écoutant, quand tu décris ce besoin de structure et en même temps ce besoin de juste te laisser aller, c'est une belle manière pour moi de parler des deux polarités, de la polarité féminine et de la polarité qui structure. Et puis là, pour moi, alors tu me diras si je me trompe, mais je vois aussi un pont par rapport à ta facette professionnelle où tu as quand même un talent pour mettre des structures sur des projets et pour tenir le cadre. J'étais bien placée parce qu'on s'est rencontrés quand même dans des espaces professionnels et je t'ai vu aussi fonctionner sous cet angle-là. D'ailleurs, avant de savoir que tu étais musicien et que tu étais un artiste. Oui. Mais à te parler, c'est comme si cette quête d'équilibre ou cette danse entre le féminin et le masculin qui avait été un peu le démarrage de nos conversations il y a longtemps, à t'écouter aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça s'allie d'une manière fort, fort fluide, intéressante et harmonieuse. Est-ce que cette lecture te parle? Totalement, oui. Ben, je reviens à ce que je disais et que j'avais écrit d'ailleurs dans l'introduction de Noce antérieure, donc le projet précédent, où je parlais justement de cette tentative qui me semble aller dans le sens de au-delà de la tentative, j'espère que ce n'est plus une tentative, mais c'est une réalité aussi, en partie en tout cas.
de cette harmonisation, en fait. Et pour simplifier, quelque part, de mon côté mère et père, en fait, j'ai mes gènes, une mère qui a toute cette partie plutôt, je dirais, non pas forcément artistique parce qu'elle n'a jamais pu réellement l'exprimer, mais ce lien avec la vibration d'amour, je dirais, des émotions, etc. Et puis un père scientifique, astronome, extrêmement, extrêmement rationnel et extrêmement analytique, etc. Et c'est comme si le départ était un peu compliqué à gérer. C'est un peu comme si les deux parties devaient essayer de se mettre ensemble et puis je n'arrivais pas à faire avec. Et puis progressivement, les choses se sont de plus en plus imbriquées et j'y ai trouvé, et ça a été la source justement de cette réflexion aussi de nos intérieurs, d'observer comment progressivement les choses se font. Et c'est vrai que maintenant que tu m'y fais penser, je pense que ce projet, ce livre, ce coffret et tout ça, c'est vraiment je dirais, ce serait prétentieux de dire un aboutissement, mais en tout cas quelque chose qui représente bien le fait qu'aujourd'hui, c'est un projet quand même assez important d'arriver à un produit fini dans tout ça. Donc il y a une partie structure, il y a une partie plus aussi action, etc. Et puis il y a le fait de se laisser guider complètement avec la truffe au nez et puis d'y aller là où le vent va, et effectivement je suis très ému au final du résultat, et ça c'est grâce à plein de personnes qui ont contribué à tout ça, et que en même temps j'ai su les trouver, et puis elles ont donné vraiment le maximum. Déjà commencer par toi avec la préface, je pense très fort aussi à Hélène Bouyaguet qui a été la directrice artistique pour la réalisation et qui a été extraordinaire, et que je dirais sans elle j'aurais pas pu aboutir à un résultat de cette qualité esthétique, de cette harmonie, comme tu le dis aussi, de la manière, parce que la présentation, la manière de mettre tout ça, et y compris le coffret avec un vinyle dedans, avec voilà, il y a aussi mon fils Mathéo qui a contribué avec ses polices de caractère et avec son logo, etc., mais le tout sous la direction de Hélène Bouyaguet. Donc, il y a tout ça, il y a Sarah dont j'ai parlé, il y a Yvan Braillet, donc il y a beaucoup de gens qui ont... Et puis après, il y a évidemment Janini qui a été sensible à cette histoire-là. Et donc, du coup, tout ça se crée, se met ensemble. Mais selon moi, il fait partie justement de cet état de fait d'aujourd'hui, de là où je suis, et j'en suis très, très heureux. Et je suis très humblement gré à toutes ces personnes qui ont fait en sorte que ce projet soit tel qu'il est aujourd'hui. Tu n'osais pas vraiment dire que c'est abouti. Tu avais un peu de réticence à utiliser le mot que c'est abouti. Alors moi, je peux le dire. Je peux dire que c'est vraiment très, très abouti. Mais c'est surtout, je trouve que l'objet final, il est vraiment, il représente tous ces éléments-là. Parce que la boîte, c'est vraiment une structure carrée, hein? Donc indiscutable, mais une fois que tu ouvres cette boîte, waouh. On découvre, on écoute, on lit, on regarde, et il y a une contemplation qui est, ce coffret, il ouvre, il nous invite à une contemplation, moi j'aime dire que c'est un projet qui est très abouti, vraiment. Je te remercie. Et j'en parle et j'insiste autour de moi pour que les gens plongent dans cette proposition. Et après, j'ai encore une autre question qui me vient, parce que tu as bien décrit les rencontres et comment ces rencontres ont fait jaillir la créativité de ces personnes qui ont collaboré à construire. Mais toi, quand tu regardes ce qui a été dessiné, quand tu lis la narration qui a été faite, jusqu'à quel point tu te reconnais? Ou comment tu vis le fait de voir ce que ton impulsion a généré chez ces autres personnes? Tu le vis? Ouais, je le vis comme une forme de d'émotion, de ressenti
un peu comme si c'était à la fois extérieur à moi et intérieur. C'est difficile à décrire la sensation parce que, en fait, c'est des textes, c'est des images, etc., qui sont tellement incarnés dans, comment dire ça, depuis le temps, parce que ça prend toujours du temps, hein, ce type de projet. Oui. Ça a pris une année environ. Et du coup, j'ai vécu avec, etc. Et à un moment, ils sont à la fois comme si je me les suis appropriés, puis c'est exactement, ça m'appartient. Puis en même temps, il y a une forme de distance aussi. Oui. Donc, il y a les deux choses à la fois. Donc, comment dire ça? Je pourrais même dire aussi qu'il y a pour moi une liberté, un peu comme je l'ai fait aussi pour le projet précédent. Je me sentais aussi très libre d'accueillir quelque chose que je n'aurais pas forcément fait exactement comme ça. Et qu'en même temps, il a tout son sens parce que justement, pour moi, il y a cette ouverture en fait de dire mais ça ne m'appartient pas. Puis après, il y a quelque chose de très affectif aussi, de dire qu'il y a une dimension. Où j'avais envie de faire en sorte que le monde, on va dire, entre guillemets, connaisse le talent d'écriture de mon épouse, parce qu'elle n'a jamais publié, à part déjà dans le projet précédent, où là, elle était une des quatre qui ont écrit quelques textes poétiques, mais qui avait vraiment un talent et j'avais vraiment très envie aussi que ça existe. Et donc quand je le vois, il y a aussi cet aspect d'admiration, d'être touché, et puis de fierté aussi d'avoir réussi à le rendre public comme ça. Il y a quelque chose de ça. Moi, quand tu parles de cette fierté, moi ce qui me vient, c'est comme honorer quelque chose de précieux qu'elle a. Qu'elle a pondu, qu'elle a créé, et si elle n'est pas là, mais on peut honorer ce qu'elle a produit. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, et ça, je le sentais, je pense que je le dis dans la préface, je me souviens pas exactement, mais pour moi, il y a quelque chose de sacré dans ce que tu as mis en place, parce que c'est de la créativité, certes, mais ça touche à des dimensions de vie avec le V en majuscule. Ça touche à des dimensions de mystère. Et là, il y a quelque chose vraiment de sacré. Donc, ce coffret, pour moi, quand on l'ouvre, c'est comme ouvrir la porte à un voyage sacré, poétique, inspirateur. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose à honorer. Et puis, quand je t'écoutais, j'avais aussi un écho par rapport à ce que je connais de quand j'ai écrit, moi aussi. Il y a tout le temps où on écrit, où tu es complètement immergé, tu vis, où tu écris, où tu développes un projet créatif. Puis, quand il est déjà fait, la vie nous entraîne vers d'autres projets. Et toi, tu parles déjà de cet autre projet qui t'habite aujourd'hui. Il y a en même temps la reconnaissance de ce qui a été et le fruit qui reste, et en même temps on est déjà ailleurs. Et ouais, comment tu vis ce décalage? Comment tu le vis, toi? Mais j'ai expérimenté ça à différentes reprises aussi pour des projets précédents, où justement il y a toute cette dimension, hein. D'ailleurs souvent, ben, c'est comme pour un réalisateur, pour un film. Hein. Souvent, un réalisateur doit présenter un film alors que ça fait 2 ans qu'il l'a fait, qu'il l'a tourné. Et du coup, il est en train déjà de faire d'autres choses. Et je pense que c'est vraiment une réalité de beaucoup d'artistes et de créateurs dans différents domaines. Et je l'ai vécu aussi à plusieurs reprises aussi, où il y a un moment où effectivement, on a presque envie de dire « Ok, c'est bon, c'est derrière, c'est fait. » Et après, peut-être pour ce projet-là en particulier, il y avait aussi quelque chose, comme je ne peux pas détacher ma vie artistique de ma vie privée, et puis qu'en plus c'est un projet qui était justement en lien avec les deux, il y a eu aussi un certain besoin de dire « c'est fait, j'ai posé, et maintenant je peux faire autre chose, y compris je peux faire quelque chose d'autre de ma vie en fait. » Parce qu'il y avait un besoin de terminer ce projet-là, de le réaliser, comme je l'ai dit, aussi pour mon épouse. Et une fois qu'il a été posé, j'ai senti ce besoin-là. Mais
Avec celui-ci, c'est un peu plus particulier parce que pour les autres, une fois que c'était fait, c'était bon et puis c'était derrière et je passais à autre chose. Et puis je dis souvent que de caractère, je suis quelqu'un qui a tendance à regarder très peu en arrière. Puis je pars tout de suite sur des nouveaux projets. C'est un syndrome que j'essaie de soigner un peu. j'ai toujours au moins 3 projets dans le pipeline pour la suite. Et ça peut être aussi une fuite en avant. Non, quand je dis ça, c'est aussi sérieux dans le sens où je me suis rendu compte aussi que c'est une manière aussi de fuir un peu certaines choses. Ouais. Mais là, en particulier, dans ce projet-là, je sens qu'il m'habite encore et il m'inspire aussi de ce que je fais maintenant, en fait. Ce que je suis en train de faire dans cet aspect d'espace de conscience, dans cette musique-là, ben il y a des fils qui sont là et du coup, je suis très heureux ce soir d'ailleurs de parler de David Deville parce qu'il est encore là vraiment, mais sans sentir le besoin de m'en détacher plus que ça. Voilà. Uh-huh. Mm-hmm. Est-ce que tu aimerais que ce livre et ce livre, cette musique éveille dans les personnes qui ne te connaissent pas et qui vont le lire et qui vont écouter les musiques? Qu'est-ce que tu aimerais que ça génère, que ça provoque? Alors, principalement, comme tu disais pour toi, ce que j'aimerais, c'est que ça fasse vibrer quelque chose dans ces personnes. Il y a un thème qui m'a inspiré et qui me tient à cœur et qui est, j'espère, et qui est ressenti dans la musique, même si c'est parfois des musiques qui sont aussi fortes, hein, dans le sens, elles sont pas, c'est pas du easy listening comme ça, c'est des musiques qui demandent une présence aussi dans l'écoute, et du coup c'est ça, c'est de faire en sorte que la personne qui écoute entre en vibration avec ça, en résonance avec ça, qu'elle soit touchée, qu'elle soit à la fois touchée dans les différentes palettes de l'émotion, y compris de la joie, parce qu'il y en a aussi. Il y a toutes sortes de d'émotions là-dedans. Et donc, principalement, c'est ça. Ouais, je dirais que de back, finalement, créer une vraie rencontre aussi avec l'auditeur, en fait. Mm-hmm. Oui, je partage cette sensation de rencontre. Et en plus, moi, je l'avais donc dégustée quand il était arrivé chez moi. Mais ce matin, j'ai refait toute la lecture et j'ai réécouté les musiques pour bien m'aligner avec toi ce soir. Et c'était très beau parce que c'était constater que je pouvais redécouvrir et que je captais de nouvelles nuances. Et donc, pour moi, quand la proposition est riche, on peut y revenir et à chaque fois, elle nous parle. Et à chaque fois, il y a des étincelles que j'imagine qui sont en lien avec notre réceptivité du moment présent. Et donc, comme il y a eu un intervalle depuis la découverte jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé de revivre et puis de voir que c'était frais, c'était nouveau, c'était du connu et de l'inconnu en même temps. Donc, j'ai envie d'inviter les personnes celles qui l'ont déjà, qu'elles y reviennent de temps en temps, et celles qui ne l'ont pas vraiment, qu'elles l'achètent en sachant que ça peut être à un moment donné où on veut faire une parenthèse et on veut plonger dans un monde vibratoire, évocateur, inspirant, et bien voilà, s'il n'y a qu'à ouvrir le coffret et choisir. Alors peut-être Anna Maria, pour préciser les choses, puisque tu as parlé beaucoup du coffret qui t'a beaucoup plu, qui est une version à édition limitée dont je me suis occupé spécialement et qui n'est pas édité. Le coffret lui-même, hein. Alors le livre il est bien sûr édité avec la carte de téléchargement pour les musiques. Maintenant, c'est vrai que pour les personnes qui seraient vraiment intéressées pour le coffret, ils peuvent sans autre en demander un exemplaire, peut-être via Helvetia. On n'en a pas parlé, donc on improvise un peu ici, mais puisqu'on parle comme ça peut être tout à fait, puisque c'est un coffret finalement avec un le livre lui-même, il est édité par Helvetia. Le coffret, par contre, c'est une édition. Enfin, c'est moi qui me suis occupé de trouver quelqu'un qui puisse réaliser le coffret, et aussi une maison de production de vinyle
qui a pu réaliser le vinyle. Mais on peut très bien imaginer qu'il puisse y avoir une demande qui transite par LVC Edition. Oui. Et voilà. Par ailleurs, je peux juste me permettre de faire une publicité, mais peut-être que Giannini pourra le mettre après. J'ai un site sur lequel on peut retrouver leur production. Alors ça, c'est l'adresse. Merci. Par oui. contre, c'est vrai que Giannini, j'ai pas pu lui communiquer, ou peut-être oui, mais ça vient de sortir, le site aussi, et qui est leurmusicprod.com. Le site où il y a l'ensemble de ce que j'ai produit, et y compris on peut juste faire une petite dégustation de quelques dizaines de secondes si on a envie de d'écouter quelque chose, et on peut éventuellement aussi demander un coffret avec cette adresse-là. Oui, et puis en même temps, si on n'a pas le coffret, quand on a le livre, il y a le lien pour télécharger la musique. Donc, on peut lire et on peut plonger dans l'atmosphère musicale, écouter les comédiens, les voix masculines et féminines qui récitent les textes de Cécile, et on peut absolument être dans la bande sonore que tu as créée avec les différents. On a presque la sensation qu'on peut même capter les odeurs de ces atmosphères, les épices de ces décors. Ça me fait penser que dans mon projet précédent, j'avais discuté avec le mari de Paul Salomon, et on était sur un projet de faire un spectacle avec musique et avec des parfums, puisque lui, il est parfumeur. Oui. Et donc c'était pas très loin, mais pour ce projet-ci, j'y ai pas pensé, et puis il était un peu moins évident d'amener, mais c'est vrai que les odeurs, ça peut être intéressant aussi. Donc pour résumer, du coup, effectivement, le coffret, c'est une sorte d'édition premium de luxe que j'ai fait vraiment pour des gens qui s'étaient aussi annoncés à l'avance, etc. Donc ça reste, mais c'est tout à fait accessible pour ceux qui voudraient éventuellement. Mais le produit principal, on va dire, c'est quand même le livre avec la carte de téléchargement édité par Edmessia. Oui, voilà. Et ce dialogue entre la musique et les paroles. Tout à fait, c'est ça qui est essentiel en fait, tout à fait. Alors Roberto, moi j'ai l'impression qu'on arrive gentiment à la fin de notre dialogue d'aujourd'hui. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose comme conclusion? Non, j'espère. Je vois qu'on a fait 45 minutes, donc c'est pas mal. Non, mais je dois dire que, d'une part, j'ai envie de remercier ceux qui ont eu la patience de rester à nous écouter, ou qui vont nous écouter en replay. Mais je vais te dire, je te remercie vraiment beaucoup et profondément, parce que j'ai eu énormément de plaisir à cet échange. C'est vrai que c'est inédit, et on l'a fait d'une manière, puis t'as su vraiment mettre un petit peu en difficulté avec des questions et qui étaient tout à fait pertinentes, et j'ai beaucoup apprécié. Et puis après, je remercie évidemment les éditions Giannini Rosa et les éditions Helvetia d'avoir permis à ce projet de se réaliser, c'est sûr, et aussi de faire ce direct ce soir. C'était vraiment très chouette. Alors oui, Roberto, le plaisir est partagé, tu le sais, à chaque fois qu'on a des échanges, c'est toujours riche, mais aujourd'hui il y avait ce petit côté, aujourd'hui c'est pas assez intime, aujourd'hui on ouvre notre dialogue à des personnes qu'on ne connaît pas, mais en tout cas j'ai vu que c'était 3 quarts d'heure et j'ai pas vu le temps passer, donc je me suis dit on va quand même clore ici, donc merci beaucoup Roberto pour t'être prêté à ce jeu, et puis merci à Giannini qui nous offre cette possibilité de partage et qui en même temps me permet de retrouver quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé à l'époque dans ma vie antérieure où j'étais journaliste, qui était la vie, où donc il y a plein de choses qui se jouent. En tout cas, merci beaucoup. Toute belle suite à tes projets. J'espère que ce livre va faire beaucoup va générer beaucoup de vibrations et que le bouche à oreille va faire que tout le monde a envie de le lire, tout le monde, c'est une façon de dire, mais que ça touche à beaucoup de personnes, que ça inspire à beaucoup de personnes. Et puis, merci Giannini pour cet espace, et à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.